Une ambiance cérémoniale dans l'hémicycle du département pour 6 collèges volontaires qui travaillent sur les questions de l'esclavage 173 ans après son abolition. Pendant la présentation du musée de Villèle ou encore des archives départementales, les partenaires de ce projet annuel, les enfants sont concentrés sur les nouvelles informations qui alimentent leur méthode. On a fait un arbre généalogique, on est parti sur des sites, on est parti voir nos familles pour savoir d'où on vient, qui étaient nos arrière-grands-parents, nos ancêtres. C'était très important. Je viens d'Angleterre, de Portugal, de Madagascar. J'ai beaucoup d'origines de plein de pays. Et tes parents, ils connaissaient tout ça ? Non, même ils étaient très surpris. Début d'année, donc on a parlé de l'histoire de la Réunion, de l'esclavage. On a visité le musée de Villèle. Donc ça nous a permis de nous sensibiliser et d'apprendre plus de choses sur notre histoire. Depuis 2013, des collèges s'investissent dans cette action départementale qui vise à faire grandir nos jeunes avec leur histoire. Comme le département le fait systématiquement à chaque grand rendez-vous autour de la question de l'esclavage, d'associer les mamans sur quelle est leur perception aujourd'hui de cette loi, comment ils le vivent au quotidien et comment nous, qui sommes tous héritiers d'une histoire commune, eh bien, nous avons cette perception plurielle de la question de l'esclavage et la notion de crime contre l'humanité. Objectif de cette étape, comprendre l'importance de la loi Taubira qui reconnaît la traite de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Pour cela, un historien guide leurs pas ce jour du 10 mai. Je pense que, quel que soit le sujet, à partir du moment où on donne du sens, les élèves s'y impliquent. Et ce que je trouve intéressant là, dans le projet du département, c'est que ça permet de donner du sens à ce que l'on fait dans le cadre de la classe. La musique, qui fait partie de l'histoire, résonne dans l'hémicycle. Prochaine étape pour ces citoyens de demain, le 20 décembre et la restitution de leurs travaux. Allez, bonne journée, mon Catherine. Bonjour. Bonjour.
Au mois de mai, ces allées situées à l'arrière de la mairie de Brapanon sont généralement pleines. Malgré le contexte, les partenaires du monde agricole ont voulu féliciter l'excellence des éleveurs à travers 8 catégories. Treize prix ont été remis et pour ces éleveurs mobilisés à tous les instants, ça compte. Ah ben vous connaissez le travail, il n'est pas facile malheureusement, mais sous PSV et pas, ben ça aussi vous oubliez des fois. Ça veut dire quoi? Ah ben il faut travailler tous les jours, lundi au dimanche, point de jour, point de semaine, pas rien. Donc c'est au sacrifice de vie, mais à la fin vous le récompensez. Oula, vous lui faites une photo dès qu'il a sorti avec un monsieur là, c'est qui monsieur? Ça c'est mon papy ça. Ah ben parce qu'il représente beaucoup pour moi, m'a toujours grandi avec lui. Nous déliez soin des animaux ensemble. Ben aujourd'hui je veux monter de quoi m'est capable aussi. Beaucoup une histoire de famille. Oui, oui, c'est une histoire de famille. La... Ah oui, obligé. Ça ne soigne pas les animaux par plaisir. Ah oui, il faut y aimer les affaires vraiment. Des besoins de solutions au quotidien pour ces travailleurs qui alimentent notre population. Ainsi, une cellule d'accompagnement spécifique existe au département, de quoi comprendre les attentes et répondre au plus vite. Le département est chef de file de la politique agricole à La Réunion. En plus, elle est également autorité de gestion pour le FEADER. Donc, il revenait de droit au département d'attribuer un prix, comme ça se passe depuis plusieurs années d'ailleurs. Et en plus, a fortiori, dans le contexte sanitaire, où les éleveurs ont besoin de sentir et de savoir qu'on ne les lâche pas. Ces hommes et ces femmes, pas forcément habitués d'être sous les feux des projecteurs, n'ont cette année pas leur foire agricole de Brapanon. Toutes ces performances sont quantifiées par la Chambre d'agriculture notamment. Hein. Donc les techniciens ont un suivi de performances dans les élevages, que ce soit par exemple bovin-viande, bovin-lait, porcin, où la Chambre au quotidien est aux côtés des agriculteurs pour les accompagner là-dessus. La Chambre dispose de données très importantes hein, sur l'évolution des cheptels à La Réunion, l'évolution de la croissance des cheptels, sur la génétique des cheptels. Donc c'est un travail de fond qu'il faut faire. Ce travail permet demain de nous prémunir à de nouvelles catastrophes sanitaires dans le monde animal, mais aussi d'avoir une traçabilité irréprochable de ce qui est mis dans l'assiette du consommateur réunionnais. Les mains pleines et le sourire relève parce que la vie continue, il faut vite rentrer au champ pour s'occuper du bétail. Cette herbe sauvage pousse facilement dans les jardins à La Réunion, à tel point que beaucoup la considèrent comme une mauvaise herbe. On la connaît sous le nom de zherbe Saint-Paul, col-col ou guérivite, plusieurs noms pour une même plante pleine de vertus. C'est un type de plante qu'ils trouvent normalement partout à La Réunion, dans les hauts comme dans les bas. Ils poussent facilement. Lit et zherbe à bouc, c'est à peu près comme frère et sœur, mais il dirait. On trouve ça dans les champs de canne, on trouve ça en bordure de chemin. Mais je dirais plutôt certains endroits où trouver ça, parce que les ordures sont bien difficiles, pareil. Même problème, hein. Problème de désherbant partout, dans des endroits où ils ne trouvent plus ça. Pour que ça, il est bon. Un bon peu de affaires, un bon peu de monde, il connaît Ali, utilise Ali. Pour la bourbouille, petit marmaille tendre ou petit grand marmaille, jusqu'à 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, on a la bourbouille. Donc ça, en décoction, il fait bouillir ça et il fait le bain avec. Il est bon pour problème de peau. Utilisez bon peu dans bon peu de tisane de peau, problème de peau, le col-col est utilisé. Le col-col est utilisé aussi pour tout ce qui est tisane rafraîchissante. De monde, il connaît quand il a trop mangé, la bonne épice. Il prend un pied de col-col, le racine, il fait bouillir et il boit ça pendant 3 jours. Ou dans le monde, il boit ça, c'est une journée. 3 grands verres ou 1 demi-litre ou 1 litre dans la journée, ça dépend des personnes. La corpulence et tout ce qui s'ensuit. Donc, col-col est rafraîchissante. Donc, rafraîchissante et anti-inflammatoire. Ça veut dire, il enlève les toxines dans le corps et il est très bonne tisane pour, surtout au niveau des intestins. Associé avec zherbe à bouc, tous les deux, il a de pair. Le col-col en bain est bon pour tout ce qui est problème de peau, eczéma, psoriasis et tout ce qui est problème de boutons, acné aussi.
Il peut boire la tisane et en même temps se laver avec. Une préparation, décoction. Là, nous va prendre l'eau froide qu'elle est là, nous verse dans la bouilloire et dans cette bouilloire, en même temps, nous va mettre des plantes, une décoction de zambaville, par exemple, des zambaville et fume-terre. Hein, zambaville et poc-poc là pour se laver. Là, nous fait un petit peu de plantes comme ça pour à peu près un litre et demi. Un bon litre et demi. Là, c'est dit bien décoction pour le bain. Un litre et demi. On peut rajouter un peu de poc-poc dedans. Regarde bien le poc-poc, c'est poc-poc. C'est poc-poc. Hein? Maman, il ne connaît pas poc-poc. Ah là, pourquoi c'est pas il poc-poc. Il trouve ça dans le carocande, mais pas dans n'importe quel carocande, parce qu'il y a un poison pareil pour toute plante. Donc, veuillez bien à ne pas ramasser n'importe où le poc-poc. Très bon pour le psoriasis, très bon pour les problèmes de peau. Là, nous fait une petite préparation, nous peut rajouter là-dedans d'autres plantes, mais là, c'est pour montrer comment on nous fait une décoction. Donc, nous la verse de l'eau, nous la verse de l'eau dedans, l'eau est froide, nous mettons les plantes dedans, nous recouvre la casserole, le bouilloire. Normalement, ça se fait dans une grande marmite, dans une grande casserole, nous fait ça pour 5-10 litres. Là, c'est démonstration, le chauffe, nous laisse de l'eau bouillir, la décoction dans 5-7 minutes, 10 minutes. Mais bon. Cocol, il rentre aussi dans la préparation de petite tisane pour bébé, la tisane tambave. Donc c'est toujours la racine coupée comme le zerbabouk que nous va prendre, coupée finement et avec d'autres plantes pour le tisane tambave. Sinon, toute la tige et les feuilles et tout, c'est pour les bains. Bonne petite tisane, on prend une bonne poignée, on met ça dans 5-10 litres d'eau en fonction de ce que va faire pour se laver en cas de problème de peau, problème de boubouille, etc. Le colcol en interne, c'est-à-dire quand on a des inflammations, irritation d'estomac, irritation d'intestin, avec ceci avec le zerbabouk, très bonne tisane pour rafraîchir en dedans, pour nettoyer aussi, évacuer les toxines. Donc le colcol, c'est toute la plante que les a utilisée en fonction des problèmes à traiter. Donc, très bonne tisane rafraîchissante. Nous sentons vraiment le côté positif de la tisane quand on la boire ça sur une journée, 3 verres d'une journée, 3-4 verres d'une journée. Il nettoie, il rafraîchit, ou sent au mieux. C'est à l'entrée de cette enseigne de bricolage que le département, l'ONF et les représentants des trois magasins Leroy Merlin inaugurent l'exposition à travers mille et un regards. Ce qui est important, c'est que le grand public puisse comprendre que la forêt, le milieu naturel de La Réunion, c'est un milieu qui est grandiose, qui semble fort, mais qui est fragile. Et il est nécessaire que l'ensemble de nos concitoyens de La Réunion puissent protéger ces milieux qui sont des milieux d'exception pour le monde entier. Comprendre les missions de la forêt, le réchauffement climatique ou encore la préservation de la biodiversité, à l'instar d'une action nationale, l'enseigne accompagne localement les acteurs de la forêt. Très content parce que c'est historique, c'est une histoire, l'histoire de la famille Ravat, depuis mon père, qui à l'époque allait dans les forêts tamarins, chercher le bois, bois de construction, matériaux de construction et tout. Et aujourd'hui, on signe une convention pour le reboisement de cette forêt de tamarins avec un partenaire qui est le département et l'ONF. Cette convention va notamment permettre la reforestation de parcelles de tamarins des Hauts par un mécénat en faveur du Fonds Agir pour la forêt et ainsi contribuer à l'action 1 million d'arbres pour La Réunion. Tous ces partenaires permettent d'accompagner la sensibilisation et la protection de la nature réunionnaise.
Bonjour, je m'appelle Patrick Arast, donc mêlé au département, au service direction des transports routiers. Mon poste, c'est surveillant de travaux, donc mon métier consiste à surveiller la mise en œuvre de tous les travaux que le département fait sur les routes du secteur ouest. Donc là, nous sommes sur la route départementale numéro 1, donc la RD1, qui part de la ville de la Possession sur le littoral et qui s'en va vers le village de Dodane. Sur le littoral, concerne beaucoup plus le bas de la ville de la Possession, où la démographie urbaine est quand même assez importante. Il nous monte vers le village de Dodane, que de plus en plus, il fréquente un tourisme vert, tout ce qui dit randonnée, tout ce qui dit village, nature. Nous avons quand même une augmentation de gens qui sortent du littoral, qui viennent chercher l'air frais dans les hauts, et d'autant plus que le département a une politique aussi de développement des hauts. C'est ça qui fait que l'augmentation de la circulation, que ce soit piétonne ou véhicule, est devenue très importante. En particulier, c'est que permettre l'accès de sortant de ces routes départementales vers ces grands axes de circulation que tout le monde connaît sur le littoral. Il faut que ça donne une certaine aisance de conduite et de circulation.